Kim, je te trouve vraiment drôle et très gentil. Et super chouette. Et je crois que j'aimerais qu'on soit plus que des amis. Vraiment? Oh, Marinette, quand je suis avec toi, j'ai l'impression de vivre un rêve. Comme si je nageais dans un océan de bonheur. Et si je pouvais, je t'offrirais toutes les bouées licornes du monde. Malheureusement, tout ce que j'ai, c'est... cette petite chose. C'est si romantique. Je t'aime, Kim. T'as raison, Chloé, c'est trop drôle, les araignées. Hey, arrêtez, vous deux. Oh, mon plan a marché. Maintenant, ta vie va être un enfer sans fin, ma pauvre Dupin Cheng. Même si tu restais toute ta vie confinée dans ta chambre, tu seras tous les jours la star de télé-humiliation sur les réseaux sociaux. Alors, elle était bonne celle-là, hein? Ah, oh, je suis mort de rire. Toi là, fiche le camp, tu devrais avoir honte. Bah, pas la peine de s'énerver, c'était juste une blague. Je ne veux plus jamais tomber amoureuse de ma vie. C'est pas ta faute, Marinette. Si, c'est ma faute. T'avais raison. J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû me préparer à avoir un plan. J'aurais dû être plus prudente. Je n'avouerai plus jamais mes sentiments à un garçon avant de savoir absolument tout, tout de lui. S'il est gentil ou non, attentionné, ce qu'il fait en dehors du collège et avec qui, tout, je saurai tout ce qu'il y a à savoir. Sa date de naissance, ses prénoms, son emploi du temps, dans les moindres détails. Mais d'abord... je m'assurais qu'il ne soit surtout pas ami avec Chloé. Et là, sans aucune raison, elle m'a attaquée avec ses affreux petits pieds. Heureusement, par une chance incroyable, je n'ai pas été touchée. Et puis j'ai dû assister impuissante au massacre d'un téléphone innocent. Je crains de ne pas pouvoir y faire grand-chose. Tout cela s'est passé pendant une activité extrascolaire en dehors de l'enceinte du collège. Et ce n'était même pas votre téléphone. Je comprends votre position. Heureusement, quand papa entendra parler de votre incompétence, il nommera un nouveau principal avec un vrai sens de la justice. Ah, allons, allons, mademoiselle Bourgeois. Nous n'allons pas déranger le maire pour si peu. Suckling, vous êtes exclue pour 2 semaines. Mais ça veut dire jusqu'à la fin de l'année. Et le conseil de classe et la fête de fin d'année. Voilà, bon débarras.